En juin dernier, on vous parlait du combat des salariés de l'imprimerie H2D, basée à Hellemmes. L'entreprise a été placée en liquidation judiciaire, laissant sur le carreau 82 salariés. 4 mois après, les salariés licenciés sont dans l'impasse. Nombreux sont ceux n'ayant pas reçu leur dernier mois de salaire, ni même leur indemnité légale ou encore leur attestation acélique. Ils dénoncent un couac dans la gestion du mandataire judiciaire. Depuis que la liquidation a été prononcée, pour certains, c'est un vrai cauchemar. Le point au micro de Tanguy. Ces personnes ont beaucoup de possibilités pour faire un peu ce qu'ils veulent et qu'il n'y a pas vraiment de retour envers les salariés. C'est-à-dire qu'il faut souvent les contacter pour avoir des infos, juste réclamer les indemnités de licenciement et puis les soldes de tout compte. Pour certains, il a fallu des mois entiers. Et pour certains, on s'est retrouvé avec 3-4 mois sans salaire, quoi. Et donc là, il y a encore... nous, ce qu'on demande au pouvoir public, c'est qu'ils aient un œil sur ces personnes, qu'il y ait un suivi.